Le parquet de N'Djamena est doté des moyens roulants à 4 roues, 10 véhicules tout-terrain, un don du gouvernement qui vise à pallier au manque cruel des moyens roulants dont rencontrent les responsables de l'appareil judiciaire. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Mamad Ahmad Al-Khabou, qui a remis les clés de ces moyens roulants au procureur général et au président de la cour d'appel de N'Djamena. Le président de la République, le premier ministre ont été sensibles au plaidoyer fait par le personnel de l'administration judiciaire quand il a été rappelé que les présidents des cours d'appel et les procureurs généraux n'ont pas de moyens adéquats de déplacement. Donc ils ont, avec beaucoup de promptitude et de célérité, répondu à cette requête. Du côté du président de la cour d'appel de N'Djamena, cette remise des moyens roulants est un feu de soulagement. En ce moment, nous venons d'être dotés en véhicule. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. Alors, ce geste est vraiment louable pour notre juridiction. Je remercie donc les autorités pour avoir vraiment fait ce geste à l'endroit de notre juridiction. C'est pour la deuxième fois que le ministère de la Justice bénéficie des moyens roulants, ce qui témoigne de l'importance que les plus hautes autorités du pays accordent à ce département en charge des droits humains.